La suite du PPF Tour 2023 ici du côté de Saint-Tropez, toujours dans des conditions dantesques. Hein. Vous voyez, Oui, bien sûr. on est trempé, mais encore nous, on est à l'abri. Vous allez le voir, les joueurs, ça va vraiment être très compliqué. Allez, on va leur donner le top parce qu'ils sont en train de se tremper. Et en attendant qu'on prenne l'antenne, partie 32e de finale, hein, Jean-Mi, donc l'avant-dernière du jour hein, pour Avant-dernière, oui, revenir pas demain mal. matin. Regardez les conditions dantesques, hein, on peut vous le dire depuis le Ah, début de ça commence à l'après-midi. devenir vraiment compliqué, Ouais, très 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 compliqué. compliqué. Il fait très froid, la pluie qui continue à tomber, Ouais. vraiment, les Et joueurs. voilà cette affiche que l'on va vous proposer dans quelques minutes. L'équipe de Pierre Morel, Gino Delis, Adrien Delahaye, vous les connaissez tous les trois. On vous les propose très souvent sur la Web TV. Une partie un petit peu inédite aussi. Hein. On a rarement. Ouais, Pierre et Gino jouent plutôt souvent ensemble. Adrien, qui les a rejoints. pas trop avec les deux Ouais, autres. ouais. Voilà, mais trois très bons joueurs. Et face à eux, l'équipe de Très Pierre jeune. Lucchesi, Julien Espinos d'Étinger, qui sont tous les deux licenciés ici du Ici. côté de Saint-Tropez, associés à Brandon Blanc, l'Ardéchois, encore un Ardéchois, Encore un Ardéchois. qu'on vous avait proposé la semaine dernière également enfin, il y a 15 jours, du côté de Santa Santa Susana. Susana, effectivement, oui. Voilà, une belle opposition là. On va voir effectivement avec C'est parti. de la jeunesse d'un côté, avec Gino Delis et Adrien Delahaye, associés au géant Pierre Morel. Voilà, et face à eux, des joueurs un peu plus expérimentés. Voilà, qui sont Pierre Lucchesi, Brandon Blanc. Voilà, et Pierre Morel. Tout de suite. Ouais, alors ne vous Qui a fiez pas repris. trop aux couleurs hein, des maillots, puisque effectivement, vu le temps, Ouais, il y vu a le une temps, grosse tolérance hein, pour ouais, les mais bon, tenues. ça, tout à fait, on a autorisé Ouais. les joueurs là à venir se couvrir. Ah non! Vraiment très très compliqué. Voilà, on Mon vient frère, d'allumer c'est qu'il y avait les derrière. éclairages là ici sur ce carré d'honneur. Tout. Hein? Nouvelle. Voilà, et les joueurs Quasimodo. ils sont partagés Hein? entre continuer à jouer dans ces conditions et ceux qui ont perdu tout à l'heure, à qui j'ai entendu, m'ont dit oh, on est bien au chaud, nous on est en train de prendre un petit chocolat. Voilà, c'est repris. Ah, je fasse ta première, allez, garçon. Pour Pierre Lucchesi. Allez, là, tu le mets, hein? Allez, gros. Je vais pas aider là. Il en faut une derrière. Ouais, c'est frappé pour Diodis malheureusement. Un petit déplacement de but là qui fait compter la première boule de Julien Espinoz d'Étinger là. On l'a vu. On est perdu d'ailleurs. Voilà, et les joueurs hein, Ça qui sont. quand même. Tu vois pas Ils la ont pluie, vraiment je vois froid. les gars comme la mer. Comme ça. Voilà, on y retourne. Hein. On y retourne tout de suite là pour Gino Delis. Il avait très bien tapé dès sa première boule. Un petit peu malheureux. Voilà, c'est bien. C'est repris. Je vois un petit truc qui nous fait toujours pareil. C'est pareil, j'imagine, on est 4 boules à 2 dans les mains. 4 boules en main quand même. J'imagine quand même, comme c'est un truc de fou les gars. C'est spécial les boules en main. Je la gagne, c'est la même pointeur déjà. Voilà, c'est une belle reprise encore là pour Pierre Lucchesi. Bah, finalement, ça a un peu rééquilibré. Voilà, au niveau des boules, on a toujours un petit avantage. Et c'est pas droit pour Adrien Delahaye. Grande de boules le garçon, on n'arrive pas à marquer. Attends, oh, attends. Conjectionné. Mais alors, attends. Il pleut, hein, c'est pas. Oui, c'est la mienne là. Et oui, effectivement, vous l'avez entendu, il pleut, les conditions sont vraiment. Ah, il pleut, il y a du Donc, vent, il on fait n'est très pas au mieux. froid. On n'est pas au mieux là pour venir Non, non. jouer C'est. ici, pour jouer ce.
à la pétanque. Ah, c'était prévu. Hein. Ah, c'est compliqué le sport boule dans ces conditions. Ça ira mieux, mais il faut passer cette première journée jusqu'à 18h normalement. Voilà, il va falloir. Il devrait pleuvoir. Voilà, on risque d'avoir effectivement avec des grosses surprises avec ce temps. On verra bien ce soir. Déjà, on a vu tout à l'heure Dylan Rocher, il est passé tout juste. Ah oui. On vous rappelle que vous avez le lien sur la page Facebook. Vous pouvez remonter un petit peu les publications. Et vous avez le lien qui est connecté en direct avec la table de marque, comme sur toutes les étapes. C'est bon ça. Ah oui, c'est bien. Tu touches pas, je le gagne. Allez, va doucement, gros, parce qu'il est bon, lui. Hein. Allez, frère. Voilà, il a réussi à faire compter sa première boule, la perte normale, puisqu'elle a avancé. Là. Ouais. Voilà, ça donne un tir pour Adrien Delahaye dans ce premier main. Ah, le même, ça le même pour Adrien. Au même endroit. Oh, elle a chassé, non, elle arrête un peu. Tomber, là, Et deux boules pour Brandon Blanc. Ouais, pour rajouter un peu, pour clôturer cette première main. Voilà, il va falloir faire attention. Là, la seule difficulté, c'est de ne pas se noyer. Il faut faire attention. Voilà, Brandon Blanc qui est dans les points, hein, qui sera dans la liste pour la grande finale. C'est finale à Ruons, quart de finale du côté de demi-finale du côté de Santa Susana. Non mais il faut qu'il revienne surtout. Un arbitre au terrain, 19 s'il vous plaît. Et voilà, une main qui était bien engagée pour l'équipe de Pierre Morel et finalement qui a tourné. Je sais pas, ça fait deux. Bien joué, il s'est aidé un petit peu de la boule. Un arbitre au terrain. Ouais, cette boule qui l'a aidé. À venir s'arrêter là. Non, ouais, je pense pas. J'ai l'impression qu'il y en a que deux. Ouais, elle n'est pas arrivée. Ça fera deux pour démarrer ce 32e de finale pour les maillots rouges. Mais ouais, pas une main qui était mal engagée pour eux et finalement. Voilà. Un petit peu malheureux Dino Delis là sur son premier tir avec un déplacement de but. Et surtout les deux manqués d'Adrien Delahaye. Ouais. Qui n'ont pas aidé, effectivement. Ils n'ont pas aidé, effectivement. S'il avait tapé, ça aurait été différent. Voilà, c'est un démarrage plutôt bon pour l'équipe de Pierre Lucchesi. 187 sur le terrain numéro 1. Je ne touche pas les deux boules, Adrien. Je l'ai gagné, moi. Hein ? Ah oui, faible. Comme tu peux marquer. Là. Allez, ce joueur qu'on connaît pas vraiment, hein, Julien Spinoff d'Étinger, voilà, qui est licencié ici. Ouais. Oui, il est licencié ici à Boutropézienne. Et oui, un club voilà, dont on entend bien sûr parler de plus en plus. Hein, de plus en plus, avec, ici dans le club, c'est un club qui monte de plus en plus dans le Var, qui s'est étoffé. Voilà, il y a un beau duel dans le Var désormais entre l'OFIP et la Boutropézienne notamment. Vraiment un très très haut niveau ici dans le Var. Vous voyez, tout le monde n'a pas froid. Hein. Ah, vous le voyez sur le côté. Ils sont même en short. Hein. C'est David Marmy là. Lui, ouais. Il est d'ici, il est de Saint-Tropez là. Là, il connaît. Il est en short. Ouais. Allez. Ah, c'est quand même le sol, hein, à mon avis. Ah, je pense que c'est le sol, et oui, c'est le sol de. La pluie se calme un peu, le vent aussi, on espère que ça va. Oui, si ça pouvait rester comme ça. Oui, ça serait bien, ouais. Ça serait pour bien les joueurs notamment, parce que. Eux, ils ont. Ils ont besoin d'être dans de bonnes conditions, de discuter avec Alessio Cocciolo, là, hein, tout à l'heure, qui me disait, lui, avec la pluie, vraiment, il n'y arrivait pas. Hein, parce que les boules collées, les boules glissées. Et lui, voilà, il n'arrive pas à jouer. Et pourtant, il a fait une magnifique partie à Alessio. Voilà, un peu court, Pierre Lucchesi. Ouais, bah, c'est une main compliquée là, hein, pour les rouges. Oui, c'était un peu compliqué tout à l'heure aussi. Ils avaient réussi à retourner la situation. Qu'est-ce qu'on fait? On tire au but. Attention. Ah, vous voyez. Ouais, on décide de tirer au but, on va essayer.
c'est une option, ben, pourquoi pas. Là, on a déjà 4 boules de jouer. Ah, il n'est pas droit. Voilà, c'est une option, on l'a tenté. Oui. Ouais, il va falloir voir maintenant pour... Voilà, Pierre Lucchesi essaie de faire la reprise, d'essayer un petit miracle. Bien, Pierrot. Voilà, il est rentré. Ouais. Il est... Bien, allez, là. Pas gagné, mais bon. Ouais. Reste boule qui en aura fait jouer 6. Hein. Ouais, c'est vrai, le Père Morel qui fait jouer 6 boules. Maintenant, il va falloir concrétiser cet avantage. Alors, est-ce qu'on va peut-être décider de tirer la boule de devant, là, qui peut éventuellement gêner, ce que dit Pierre Morel. Attention. En bien tirant, tu peux croiser aussi. Voilà, c'est ce qu'est en train de dire Pierre Morel. En bien tirant, tu peux croiser sur ma boule. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux essayer de... Ouais, il va pointer, puis on verra après, peut-être. De pointer déjà, d'essayer de rentrer et peut-être tirer qu'une seule fois sur la boule de derrière. Voilà, il y a quand même un peu de place, là, dans la fenêtre, entre les deux boules. Et voilà, le risque, il était là aussi, hein. C'était de rencontrer cette boule. Bon, enfin, maintenant, on a quatre boules de tir là. Ouais. Pour Dino et Adrien, je pense qu'il faut déjà commencer à... Ah, mais t'as bon jeu, tu peux venir avec la mienne, tu peux taper Becky. Bien sûr. Dommage parce qu'elle est bien jouée en boule. C'est un peu le court, hein, parce que si j'ai la force, c'est bien comme ça. Elle s'arrondit. Allez, on va continuer à pointer. Hein. Du coup, il a peut-être un peu plus ouvert le jeu maintenant, quand même. Oui, il y a surtout sa boule qui est devant. Voilà. Voilà, c'est fait. Là. Allez, Adrien. Allez, mets-le. Allez, troisième appel pour l'équipe de 187 de Benjamin Yannon. Voilà, déjà, on a deux points au sol, il va falloir... Essayer de rajouter un troisième au moins, ça serait bien. Lui aussi, il a versé un peu sur le côté. Voilà, si Dino Delis arrivait à faire un coup sur deux. Ah, Dino. Ça serait pas mal. Moi, je suis sûr que s'il n'y a pas cette boule-là, on jette. Oui. Mais t'es encore en train de tirer à 3 la dernière main. Ouais. C'est bien possible. Hein. Ah, bien, c'est bien envoyé, hein, Dino Delis. Alors, ça fait 3. C'est tombé entre, là. Et ben là, ça serait une mène de 4 points, ça serait très bien payé, là. Allez, mets-le. Elle est bien envoyée, celle-ci aussi. 2 fois, bravo, très très bien pointée. Ouais. Et bien, 4 points pour l'équipe de Pierre Morel. Qui, ouais, c'est mérité. Ouais, ouais, qui maximise, là, dans cette mène. 4 à 2, ils reprennent tout de suite les commandes dans ce 32e de finale. On allonge un peu. Pour Pierre Morel. Tu veux qu'on rende la rive ou pas ? Je sais, je veux juste. On va le vérifier. Rappelle l'arbitre, va, vous pouvez passer. Ouais. Parce qu'il me semble qu'il est moins, il est pas bon. Hein. Ouais. Arbitre, s'il vous plaît. Ouais, c'est... Alors on va demander à mesurer, c'est entre les deux. On va demander à l'arbitre de venir. Ouais, ouais. Ce sont les arbitres. Allez, l'occasion de vous rappeler si vous êtes... Les arbitres, ils sont au sec. Puisque vous êtes nombreux avec nous. On va essayer d'appeler un arbitre, si on voit un arbitre là. Que notre grande finale eh bien, se déroulera du 2 au 4 février. Du côté de la Corse du Sud, du côté de Pietrosel, ben, non loin d'Ajaccio. Ouh là là, la pluie est en train de redoubler, Vincent, Michel. Oui, on va essayer de... Ah oui, de copieux, rester copieux. Au sec. Ouais, alors avec tous ces changements climatiques, peut-être qu'en février à Pietrosel, là, oh, on bah pourra oui. être à l'extérieur. Ouais. Ah oui, oui, là ça non, tombe on gros. On sera dans une belle halle des sports. Hein. Il me semble que les parties vont
vont devoir être arrêtés. C'est possible que ça s'arrête, ouais, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur vos images, mais c'est très, très... C'est copieux. Très, ouais. Très impressionnant ce qui tombe. Voilà, on voit mieux sur les images là de Doumé. Regardez un petit peu les... Voilà. Des conditions dantesques pour jouer. Et malgré tout ça, on a du beau spectacle hein, de la part des joueurs. Ah oui, les joueurs, vraiment. Ils continuent à lui proposer quand même du beau spectacle. Là, par sur le côté, c'est bizarre. Hein ? C'est bizarre qu'ils font ça, les boules. C'est pas paralysé. C'est pas vu, non ? C'est la première, hein. C'est la même en gros. On va aller tremper à l'autre. Ah, il gèle le sang de Mars, vraiment. C'est pas agréable. Ah, il fait froid, oui. On est d'accord, Pierre. Voilà, on le voit, hein, même Brandon Blanc, là, qu'on voit. C'est compliqué. Mais bon, après si tu veux en venir une. Si vous voulez tirer, allez-y, je vous laisse faire. Hein. Voilà, on a décidé de. Ouais, ils ont un bon avantage de boule. Bon, en fait, là, on voit que le. Bravo, Clara. Bravo. Voilà, on se retrouve 3 boules à 3, mais voilà, avec le point par terre. Oui. Les conditions sont compliquées. Donc je pense que voilà, avec un point à 40, 50 cm, on peut essayer de le défendre. C'est très bien, tu as l'avantage. Alors, si c'est repris tout de suite. Ah, il a très très bien pointé là. Allez, suis. Belle reprise tout de suite. Ça. Non. Juste un peu comme la première, mais celle-là il n'a pas fait passer malheureusement. T'as les cheveux, il fait ça. Hein. Juste pas droit. C'est pour ça que les boules vont du côté. Mais... Non. Voilà, on décide de boule à deux, on va essayer de. On va essayer de retirer puisqu'on tient ensuite en troisième position. Ouais. On a envoyé la boule là sur la droite de l'écran. Voilà, il a fait. On partait trop au tir. Je te jure. Mais oui, c'est loin. Trop au tir. Trop. Il le gagne, en fait, on manque encore une manquer tes 3 boules d'avance. Non, non, mais bon, même si tu pointes que tu perds bon, on peut tirer double après derrière. On tire trop. On tire trop. C'est tout. Voilà. À 10 mètres, et il fait pas beau. Et... Petit rappel alors du capitaine Morel. Oui, oui, effectivement. Après, on se retrouve comme ça à 10 mètres. Voilà, il faut. C'est compliqué. C'est dur. Voilà. En plus, c'est compliqué de faire des carreaux. Donc, effectivement, on a. Ah, tout est un peu plus compliqué ouais, avec ce temps. Avec le temps, les conditions, le terrain. Donc, voilà, après, voilà, on peut. Alors qu'en gagnant le point. Ça va. Ça va mieux. Ça, tu fais ça. Tu fais ça. Non, mais tu fais pas pareil, mais tu as fait tomber une. 3 boules. Voilà, ça laisse l'opportunité là pour Pierre Lucchesi de marquer. Ah, c'est bien tiré, il n'a pas cadré malheureusement, il est passé un petit peu de l'autre côté. Il avait fait, mais il a fait le nécessaire, ouais, il ralentit. On le voit, il était dessus. Très belle courbe là pour Pierre Lucchesi. Tout juste, vous voyez, on le voit, il n'y a vraiment pas beaucoup de gravette. Là. Et ça fera donc 4 à 3, un petit point supplémentaire. Voilà, sur un terrain sablonné, ça aurait été carreau. Ouais. Là, ce coup-ci, elle est passée légèrement derrière. On va essayer. Cartez-vous.
Ça c'est plutôt bien pointé pour démarrer cette quatrième main. Ouais, c'est de très belles entames là, ça fait. Allez, continue mon routier. Ça fait tirer l'adversaire tout de suite là, Dino il est bien pour l'instant. Bravo. Vraiment une très très belle série là. Dino Delis. T'as fait carreau comment t'as fait ça? Ah ouais, le petit bonus avec le bouchon qui bouge un petit peu. T'es bien, bien droit au bout. On va se manger pour le bouchon, non? Allez fils. Non, c'était repris de toute façon. Ouais, elle aurait été un petit peu moins belle. Elle aurait été un petit peu moins belle. Ouais, on aurait peut-être pointé parce qu'elle était derrière. Allez, avec le bouchon, on a qui est un petit peu aussi devant. Toujours des boules un peu particulières à tirer. On sait bien. Allez, Pierrot. Bravo, bien. Super. Vas-y, on va bomber ça là. 3, 4. Elle va tirer avec l'ancien, ouais. Ah, mais t'es dans le. Sur la ligne blanche. Bien Pierrot, bien. Ouais, très belle reprise de Pierrot Lucchesi qui en plus vous le voyez l'a mis un petit peu dans l'axe. Ouais, Pierrot Lucchesi là dans son rôle de milieu pour l'instant. Il n'y a rien à dire. Ouais, on va le reprendre tout de suite là pour Pierre Morel. Et essayer de laisser un peu l'avantage encore à son équipe. Ah, c'est repris tout de suite. Superbe. Ouais, vraiment, on assiste à une très belle partie. On a très peu de déchets. Allez, Brandon Blanc. Voilà, Brandon Blanc, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs rares des fois. Bon, il se pose pas trop de questions. Brandon Blanc dans le cercle, il tire, il n'y a pas trop de. Voilà, un tireur de destin avec une adresse pure. Discret, très très simple, champion d'Ardèche individuel hein, cette année. Et triplette mixte également. Est-ce que Pierre Morel va pouvoir faire la reprise tout de suite? Oh là là, superbe, en plus il est venu se coller à la boule. Et en plus de très belle manière. Allez. Ah, on connaît hein, Pierre, c'est aussi un des très très bons pointeurs de notre circuit. Et on le retrouvera bien sûr lui aussi hein, à la grande finale puisqu'il est 9e hein, pour l'instant au classement PPF. Donc il sera même chef d'équipe hein, certainement pour choisir son équipe à la prochaine grande finale. Ouais, Dino Delis qui a cherché les points aussi pour remonter dans le top. Ouais, Gino il est 61e donc ouais, il est pour l'instant à la limite. C'est ça, oui. Donc effectivement le cut sera à 12 donc il faudrait quelques points de plus là pour être sûr d'être dans cette liste. C'est ça. Je pensais que tu allais jouer sur les points aussi. Et pourquoi pas faire équipe avec Pierre Morel dans cette grande finale. Alors Adrien Delahaye lui est très loin puisqu'il est 146e avec 4 points. Il y a encore du chemin. Hein. Adrien, il faut tirer. Même que tu es tout, tu peux rajouter. Si tu vas te mettre là, tu vas tirer la dernière. D'accord. Allez, d'accord. Pierre Lucchesi aussi, hein, il a 8 points. Donc lui aussi, il a encore un petit peu besoin. Tu peux retirer aussi à la marque après. Qui est passé à travers sur sa dernière boule, ça laisse ça opportunité pour Adrien de rajouter maintenant. Voilà les deux. Elles sont fortes, petit. Donne-toi raison. Allez, essaie de le mettre. C'est bien, il faut marquer, c'est bien. Oui, déjà, on peut sauver la marque. Ensuite, effectivement, il y a moins d'espace pour pouvoir rajouter, mais voilà, on peut le faire, il peut le faire, Adrien.
Voilà, maintenant, est-ce qu'on prend le risque de tirer? Je pense pas. On va essayer de rajouter là. Et oui, c'était le risque. Et oui, on tirait la boule du milieu, mais... C'est compliqué. Pourquoi on est allé... Difficile. Ouais. Il aurait fallu prendre l'option, mais dans l'autre sens. On aurait tiré en premier, on aurait pointé après. Une fois qu'on a pointé, il aurait... Si c'est moi qui ai toutes les boules dans les mains, je marque à toutes les mains, moi. Il a raison, Pierre Lucchesi. Pierre. C'était très compliqué à faire, surtout sur la dernière boule. Je le laisse faire, moi. C'est impossible de marquer. Impossible. Mais non, c'est mal joué, boule, ça. Effectivement. Ça s'est passé comme ça. Bah, j'ai les boules dans les mains. Ah, bon, Julien, tu tires pas encore. J'ai la main, j'ai et voilà, on est revenu à 4 parties. Du coup. Ça, ils sont deux fois longs, j'en perds un. En fait, il aurait fallu le faire dans l'autre sens. Il fallait tirer la première boule et après on a rectifié. Maintenant, quand on tire la dernière boule, on peut plus rectifier, c'est terminé. Et on prend des risques. Alors, on dit toujours qu'on ne tire jamais la dernière boule, mais en plus, quand elle est compliquée comme ça, c'est encore pire. Hein. Alors maintenant, si c'est une boule de gagne, il faut y aller. Oui, il y a des circonstances. Voilà. Ouais. Mais maintenant, dans ce cas-là, il est... Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'Adrien continue de pointer. Ben, il aurait pu en mettre un second. Et s'il n'avait pas mis, il aurait gardé au moins la marque. Il aurait pu renvoyer le but. Ouais, étonnante cette décision. Oh, c'est une prise de décision. Je pense que c'est la jeunesse. La fougue. La fougue de la jeunesse. On rappelle, hein, Adrien Delahaye. Après, il est capable, Adrien, de très très bien tirer. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Marseillaise. Hein. C'est ça. À 17 ans, hein, en senior. Hein. Donc voilà, il y a de l'expérience. Adrien Delahaye qui fait bien sûr partie du groupe France. Allez, on a une belle accalmie là. Il n'y a plus trop de vent, il n'y a plus de pluie. Oui, pour l'instant, ça vient de se calmer. Aïe, 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 Pierre, il va être un peu court. Ouais, il faut garder son sang-froid. Pour l'instant, il faut essayer de revenir sur la partie. Voilà, on en est qu'au début de cette partie. Rien n'est fait. On va tirer. Ouais. Allez. On a décidé de faire tirer Dino Delis. Pour l'instant, lui, il est sur un 100%. Allez, continue, cousin. Allez, sois fort encore. Allez, c'est un beau carreau. Vraiment. Pour l'instant, Dino Delis qui fait une très très belle partie. 16e de finale qualificative pour demain matin, 18e à 8h30. L'équipe numéro 52 d'Emmanuel Durand, opposée à l'équipe numéro 42 de Frédéric Lacanetti, terrain numéro 10. L'équipe Emmanuel Durand contre l'équipe de Frédéric Lacanetti, terrain numéro 10. Le jeu, il faut que je passe le même jeu. C'est pas mal là pour jouer. Un tour de trop. Hein, ça donne la possibilité pour Valentin à essayer. Eh oui, c'est bien tiré encore. Voilà. Ouais, t'as beau jeu toi. Tu me tapes un peu bas, moi, non? Hein? Tu me tapes un peu bas, moi? Non, mais évidemment, tu as touché bien. Voilà, maintenant, on prend la décision de faire jouer les dernières boules à Pierre Lucchesi. Et en plus, nous on dit rien, on le laisse faire.
sort là. Voilà, c'est repris. Bien Pierrot. Ah, Pierre Lucchesi vraiment dans son rôle de milieu pour l'instant. Il tient la baraque aussi les rouges. On a même pas perdu là. Allez Pierrot. Voilà, très bien repris hein, pour Adrien Delahaye là. Voilà, qui va faire jouer cette dernière boule à Pierre Lucchesi. Fais comme tu veux. Magnifique. T'as la boule. Il a de la force dans celle-là. Allez, fais comme tu veux, Gino. Allez, boule de marque. Est-ce qu'il va tirer ou essayer de le reprendre, Gino? Je pense qu'il va tirer. Ouais. Ouais, il a très bien tiré. Ouais, ouais. Je pense qu'il va tirer lui. Ouais, bien tiré. Voilà, pour la marque. Et voilà. Et ben voilà, un petit point supplémentaire. Voilà, ils reprennent la tête. Point par point. Ouais, effectivement, il faut oublier la main précédente. Voilà, ça a été refait tout de suite. C'est bien pour l'équipe de Pierre Morel qui est revenu tout de suite dans la partie. Ouais, c'est pas mal là déjà pour une entame de main pour Pierre Morel. C'est bon ça. Ah, effectivement, ce sont sur ces jeux là les points qui peuvent se perdre. Elle est mieux jouée. Mieux montée, donc ouais. Du coup on maîtrise un peu mieux la trajectoire. C'est pas une ligne, laisse-le entre eux. Il sert à rien frère. Alors. Allez, ça va faire jouer. Ça va faire jouer. Bon, il y a déjà trois boules hein, pour les. Les rouges qui sont arrivés. Donc on va contre-attaquer maintenant. Oui, on a un avantage de boule, donc elle était courte. En plus, c'est un point qui est très très bon. Oui. Donc il faut tout de suite. Attention au bouchon, qui est bien, qui peut bien croiser là. Hein. Ouais, non, c'est bien tiré. Et en forme, hein, Gino depuis le début de la partie. Depuis le début, voilà. On a Gino Delis d'un côté là qui fait son jeu, de l'autre côté on a Pierre Lucchesi aussi qui tient. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur un score quasi parité, on est juste 5 à 4, un petit point d'écart. Ouais, gros coup, tu dis. Ouais, c'est repris tout de suite pour Pierre Morel, voilà, la place. Carré de l'heure, terrain numéro 5, l'équipe de France, emmenée par Ludovic Montoro, opposée à l'équipe numéro 20 de Pascal Haro. Terrain numéro 5. Allez, on va casser des points pour les rouges, hein. Ils n'ont pas la main. Pas la même pour eux, mais on a une boule de retard. Voilà, ils vont essayer d'en prendre le moins possible. Ce point, je pense qu'il va pas se perdre. Je pense super. Plus, surtout avec super. Les joueurs de cette qualité. Effectivement, là, on peut essayer de. On peut essayer de le gagner pour Pierre Lucchesi.
Ils ont compris que voilà, s'ils venaient à tirer partout, ben, ils ne marqueraient pas. Voilà, il a repris de fort belle manière, là, Pierre Lucchesi. Fais rouler, hein, Pierrot. T'as fait rouler, toi. C'est sur vous, là. Ouais, t'as vu. Ah, bien tiré, Gino, encore. Bravo. Ouais, ce mano à mano entre Pierre Lucchesi et Gino Delis. Oui, c'était pas voilà. Facile, celle-là, à tirer. Ça va nous... Voilà, on va voir le premier des deux qui flanchera, je pense que... Ouais. Voilà, c'est ça, ça donnera l'avantage à l'adversaire. On va voir qui va faire plier l'autre. Est-ce qu'on va mettre un... Non. On pourra 40, je sais. Non. Bien, Véro. Et de l'autre côté... Il est peut-être venu de gagner. Il a peut-être gagné de l'autre côté, ouais. Bien. A priori, hein, ouais. A priori. Ah, viens faire rouler si tu peux. Voilà, une opportunité là pour Adrien Delahaye de faire marquer son équipe. Bravo. Et ben c'est fait. C'est fait. Là, rien. Et ben ça prend un petit point de plus. Allez, tranquillement mais sûrement, on avance hein, pour l'équipe Morel. 6-4 désormais. Ça se voit rien, hein, on va voir. Voilà, un petit point, une petite boule. Alors que le vent et la pluie redoublent de force là. Ben oui, frère. Allez, on va y aller. Ah non, on prend pas de plaisir à jouer là. Vraiment, c'est des conditions. Oh là là, le petit coup de bouchon. Coup de bouchon. C'est pas grave, c'est parti des boules. Ah mon Dieu, il est bon, il était trop près. Allez, cousin. Ah bah tiens, on a un petit. On va laisser Gino Delis. Ah, c'est manqué, c'est la première, c'est hein, premier. Je crois. Ouais, c'est ouais. Le premier pour Dino. Ouais. Oui, on a un petit coucou de Sébastien Lille. Alors, il n'est pas à Lille, lui, il est à Auch. C'est vrai qu'il nous fait un petit coucou, il nous dit qu'il fait aussi beau qu'à Auch. C'est vrai, Sébastien, qu'à Auch, ça avait été aussi bien compliqué. Ça avait duré moins longtemps à Auch. Là, c'est quand même, depuis le début de l'après-midi, compliqué. Auch, nouvelle étape du circuit cette année. Ah là là, c'est bien repris, ouais. C'est ce que je te dis, c'est la chance. Hein. C'est la boue chanceuse, ça n'a pas manqué. Et l'on va mettre un médecin. C'est rare le boue. À l'équipe 250 de Jonathan Ramos. Terrain numéro 7. Après, c'est comme ça. Bravo. Ouais, c'est repris. Tu fais changer de main. Allez, frère. Allez. Allez, allez, champion, continue. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, je m'encourage. Là, tu m'encourages. Là. Eh bien suivi par Adrien Delahaye. Apparemment, dans le même temps, que ce soit en Bretagne ou à Ajaccio. Ah oui, voilà. Un petit coucou à notre Jossini. Et Henri qui nous dit aussi, Henri Aguilar qui nous dit qu'en Bretagne, il pleut aussi. Je pense que toute la France est sous la pluie. Ouais, c'est compliqué. Un petit coucou à nos amis bretons hein, qui ont eu des jours compliqués là, avec la tempête. On espère que là, vous êtes au chaud, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous. Deux. Il a failli faire plus de flac là. Voilà, il s'est un peu égaré là, Pierre Lucchesi, il est passé
Adrien, mais il laisse l'opportunité à Brandon Blanc à devenir. Et malheureusement, il a pris sur la tête. Haut, ouais. Un petit peu haut. Je suis en train de jouer, je te rappelle. Ah voilà, bien magnifique fait, carreau. C'est rattrapé. Un très très beau carreau là, c'est bien rattrapé comme on dit. J'ai Brandon Blanc. Hein? Ah oui, il est beau. Voilà, ça va forcer Pierre Morel à venir déjà couper sur un point et laisser peut-être le tir. À... Voilà, effectivement, voilà, il a coupé sur un point, il va laisser le tir maintenant pour Adrien Delahaye. Pour essayer de marquer un point supplémentaire. Il y a moins de risques que celle qu'il a tirée il y a 2-3 mètres de cela. Tout à fait, ouais, là, un peu plus ouvert. Ah, normalement. Encore une opportunité de rajouter un petit point au compteur pour son équipe Adrien, là. Voilà, c'est fait. Eh ben, c'est bien. Nouvelle main d'un point. C'est hein. Dur, c'est froid. Oui, c'est ça, bah, tout à fait, il fait froid. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, il peut partout. Ah, mais c'est pas fini. On a pas vu rester des boules. Oh là là, non, mais on va vite, on va vite. Hein. On va vite en alors, besoin, attends, on va revenir. Attends, on va revenir. On va revenir là-dessus. Ah, nous aussi on est perturbé avec le temps parce qu'en fait on essaye de. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Ah oui. Allez Pierrot. On va essayer de revenir. On est un peu perturbé ici. Non. 5. Maintenant 6, tout à fait, on avait anticipé. Je peux pas mettre non. Mais madame, il pleut, madame, faut arrêter. Non mais d'accord, ouais, mais justement, on peut pas les enlever, les blousons. Je peux pas mettre le blouson au but, j'ai pas le droit, madame, je suis boulanciel. On n'a pas le droit. Si j'aurais le droit, j'aurais mis le blouson au but. Ils sont au but, moi je suis boulanciel. Si je le mets, je me fais. Ouais. Je me fais. Ouais, ouais. Voilà. Et moi je suis boulanciel, donc si je mets, je me fais virer. Ouais, il faut un peu de... Oui, un peu de diplomatie, ça serait bien de la part des arbitres, parce que là c'est quand même très compliqué. Ah, fallait tirer mon pied. Allez, on marque. Ah. Allez, on va marquer. Allez, hein. Merci, frère. Salut. Voilà, on demande aux arbitres un peu de diplomatie, c'est bien là dans les conditions dans lesquelles jouent les joueurs. Je pense qu'il faut il faut être un peu sympa, ouais, effectivement. Ah, il me semblait bien. C'était bien 7, Jean-Mi, je suis encore. Ils avaient oublié de tourner le panneau, donc ça fait bien 7 à 4. D'accord. Ne inquiétez pas. Voilà. Ah, je suis encore mon cerveau qui fonctionne. Très très bien. C'est pas lui l'arbitre là-bas. Par la masse, pardon. Faites, hein. Je crois que je pose pas de questions, mais dans le rang, je cherche. Je compte, je compte. Allez, début de la 9e main dans ce 32e de finale. On rappelle qu'on sera encore avec vous. Et bien encore une partie derrière hein, pour le 16e de finale qualificatif pour venir demain. Ah, tu peux plus, regarde-moi. Gardez-moi un peu. Ah, c'est repris. Allez cousin, il est pas mal, le mien. Ah, c'est fort encore. Allez cousin. Bravo, garçon.
Allez, il y a eu une boule manquée hein, pour Dino Delis, sinon vraiment il est en très bonne forme. Hein, aujourd'hui. Oh oui, Dino Delis pour l'instant lui aussi. Il fait son jeu, il est bien comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je pense que. Je pense que pour l'instant il tient sa partie. Et ensuite, ouais, voilà, vous l'entendez. Vous entendez. Parce qu'ils ont resté les boulons. On a pas le droit, on est au but. La donnée, elle était bonne, là, regarde. Hein ? Voilà, vous l'entendez, Pierre Morel qui discute là-bas avec l'arbitre, Madame Annie Saliba. Voilà, il faudrait qu'il reste concentré sur sa partie. Oui, là, faut pas qu'il sorte de la partie. Il faut pas sortir de sa partie, là. Il a peut-être joué un peu vite, là, Pierre Lucchesi, sur ses boules. Alors on va saluer nos amis de la Talaudière qui sont pas connectés aujourd'hui mais qui sont juste à côté de nous. Et ouais. Bon, ils ont déjà perdu hein, évidemment, ils ont déjà perdu, ils étaient dans la compétition. Bon, ils sont plus dans la compétition, mais bon, ils sont là avec un beau parapluie, je sais même pas si c'est pas un parasol carrément. Allez, on fait un petit coucou Serge Anissé et Claude Giraudet. Bon, après c'est sûr que on a du sponsoring, mais après il faut le prévoir avant. Oui, non mais. Après voilà, c'est vrai qu'il y a un règlement, mais il serait bien de. Non mais sur le fait qu'il est boulanciel et qu'il ne peut pas mettre au but, ils auraient pu trouver une autre tenue. Mais une tenue neutre. Voilà, mais bon. Ils auraient pu trouver des tenues neutres. Vu le temps, c'est quand même. Bon. En fait, ils avaient prévu de jouer avec ces magnifiques t-shirts roses. Voilà, en fait, c'est cela. Et maintenant, avec la pluie, le froid, les deux jeunes, c'est ça. Que sont Adrien et Dino Delis, se sont couverts en mettant leur veste au but. Voilà, puisqu'ils ont le maillot rose tous les trois, tout le t-shirt à fait. Rose. Ils ont le t-shirt rose sous les vestes. Voilà. Bravo. Allez, allez, ils sont forts. Ouais, c'est bien tiré déjà pour les autres. Oui, il a attrapé la première, il a tiré la deuxième. Voilà. Alors, déjà, qui va tirer à la marque. Ils sont trempés les boules. On dirait ouais, pas c'est fait. Les boules trempées, t'as vu, je vais tirer gros. Voilà, petit à petit, ils ont toujours les mains à l'avantage. On aura peut-être une main de plus d'un point. Oui. Là, ils ont l'opportunité là de venir marquer deux points supplémentaires. Voilà, alors là c'est le déluge complet. Là, c'est le déluge, ouais, effectivement. Voilà, ça c'est déjà fait pour Pierre Morel. Déjà plus 2. Plus 2. Et dernière boule pour Adrien Delahaye pour faire peut-être une main de 3 points et monter à 10. Hein, marquer un petit peu le coup là dans cette partie. Et après je pense que il va falloir prendre des décisions. C'est parfait. Si le déluge continue. C'est 3 points. Allez, plus 3, 10-4 pour l'équipe de Pierre Morel. Allez. Voilà, on se retrouve 10 à 4 ici. 10e main, 50 minutes de jeu. La pluie qui redouble, les conditions vraiment très très compliquées. Et Pierre Morel qui continue, lui, à venir sur le but, malgré les conditions. Voilà, on a décidé de tourner là. Pour essayer de trouver quelque chose, trouver une solution. Ouais. On pourrait. Oh. Pas mal tiré, hein, cette boule. Il est au pied de la boule. Et malheureusement, pas ramassé. Ah, et là, voilà, ça c'est mieux. Voilà. Un petit ralenti, regardez, sur super là, le carreau. Il faut le proposer Pierre parce Kézy, que, bah oui. Vraiment, sur ces jeux, avec les conditions, vraiment, très beau carreau.
Allez, sur le terrain 15, l'équipe 218 Adriano D'Amico, opposée à l'équipe 139 de Thomas Quilibrano. Terrain numéro 15. Oh là là, ah, allez, encore un petit ralenti, regardez, il lui a rendu Dino, c'est ça qu'on veut voir malgré... Ouais, c'est de la belle pétanque ça. Ouais. Ben, je le disais déjà tout à l'heure, c'est le duel Dino Delis Pierre Morel. C'est pas Morel non ? C'est pas pour toi ? Bon alors Dino a pris un carton mais il sait pas pourquoi. Ah t'as mis un carton toi ? Non. À mon avis, il est sorti du rond, ouais, mais elle lui a pas expliqué. Vous pouvez rien faire ? Vous pouvez rien faire ? Ah. C'est plus... Je sais, non, mais je la connais aussi. Ouais, c'est bon. Je la connais aussi. Genre, on est là, on est vraiment... C'est pas bon. Vous savez que ça me prend préjudice, tout ça. Bon, elle ouais, une belle approche, là, pour Julien. Cousin. Spinos, mais voilà, ça va peut-être laisser l'opportunité à Brandon ouais. De tirer. Oh là là. Et voilà, c'est magnifique. Encore un. Il y aura eu deux carreaux, un petit palais sur cette boule. Sur cette boule. Bien tiré, il y a deux magnifiques points là à défendre. Après j'ai bricolé un peu au point aussi, hein. Au début j'ai pas... Ah, très bien joué encore Pierre Morel. Là ils sont... On a une très très belle main là, de la part de l'équipe de Pierre Morel. Là. Avec deux appoints ouais. À 20 cm du but, un carreau tenu dans des lices. Oh, il est fort, il a pris le... Aïe, aïe, aïe. Et c'est une main de gagne hein, pour l'équipe Morel d'Hélice de la Haye. Il reste, il reste trois boules pour en rajouter deux. Avec quand même un petit peu de place, un hein, pas de boules qui gêne devant. J'ai gagné, je suis content d'avoir fait jouer la dernière. Hein. Ah, il va manquer peut-être un peu. Ah, non, non, il est arrivé. Il est bien arrivé. Allez, essaye de le mettre comme ça. En... Non. Ça va aller la boule où je la jette. Regarde où elle va. Allez, allez, boule de gain pour Adrien Delahaye pour jouer les 16e de finale. Eh ben, c'est fait, c'est fait. Eh ben voilà. une belle partie de la part de l'équipe de Pierre Morel, Gino Delis, Adrien Delahaye, une équipe équilibrée avec voilà, ils ont très très bien joué hein, tous les trois dans cette partie.